Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo en collaboration avec Anna Luisa. Donc vous le savez, j'ai déjà travaillé avec la marque plusieurs fois depuis quelques années et je suis désormais ambassadrice française d'Anna Luisa. Donc je ne peux qu'être hyper reconnaissante et heureuse de vous en parler aujourd'hui. Surtout qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est vraiment une marque que je vous recommande pour vos idées cadeaux. Je suis un peu malade, ce qui explique que ma voix est changeante et un peu différente de d'habitude, j'en suis navrée. Cette vidéo va être un petit peu spéciale, vous l'aurez certainement vu dans le titre et dans la vignette, mais je vais être accompagnée par ma maman que je vous laisserai découvrir d'ici quelques minutes. Si jamais vous n'êtes pas familier, familière avec la marque Anna Luisa et que vous ne m'avez jamais vu en parler, que vous tombez sur cette vidéo par hasard, et bien sachez que c'est une marque qui vend des bijoux en ligne d'une grande qualité à des prix relativement abordables puisque ça commence à 39$. Et leurs bijoux, je les porte dans chacune de mes vidéos puisque tout simplement je les porte au quotidien, certains depuis plusieurs années sans jamais les retirer, donc notamment au niveau des boucles d'oreilles. Je prends ma douche, je dors avec sans problème, et leur brillance ne tarit absolument pas au fil du temps, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je sais que quand on fait un cadeau, on a envie qu'il dure dans le temps, et quoi de plus sentimental et féerique en cette période de fête de fin d'année qu'offrir un bijou à l'un ou plusieurs de vos proches. Donc sachez qu'en ce moment même, Anna Luisa propose d'énormes réductions sur leur site, jusqu'à moins 35% de réduction, ce qui n'est absolument pas négligeable, surtout qu'on n'a pas forcément un budget et un portefeuille extensible, notamment à la période des fêtes, en tout cas c'est mon cas. Sachez que vous pouvez faire de belles économies en offrant un bijou de qualité, de quoi faire une jolie déclaration d'amour, d'amitié, ou bien en cadeau de remerciement aussi pour les gens que vous aimez. En plus, je trouve que les bijoux sont des cadeaux vraiment indémodables. Chaque année, vous pouvez en offrir, en recevoir et y attacher un souvenir d'un moment particulier, échanger avec l'un de vos proches en toute occasion. Mais à Noël, je trouve que ça apporte une touche un peu plus féerique à la chose. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site, je vous mettrai quelques petites captures d'écran pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, ainsi qu'un lien dans la barre d'infos pour vous y rendre plus facilement. N'hésitez pas à aller checker sur le site et à scroller parce qu'il y en a pour tous les goûts. Ce sont vraiment des bijoux qui se veulent élégants et qui traverseront les époques avec des designs relativement intemporel et très joli. Et avant d'accueillir ma maman dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous partager quelque chose d'un petit peu personnel, parce que quand je vous dis que les bijoux ont une valeur sentimentale, à mon sens c'est vraiment le genre de pièce et le genre d'objet auquel on accroche vraiment une énergie, auquel on accroche vraiment des souvenirs, et je trouve que c'est vraiment un cadeau merveilleux à offrir à quelqu'un que vous aimez. Donc d'aussi loin que je me souvienne, mes premiers bijoux m'ont été offerts par ma maman, et c'est un juste retour des choses que de pouvoir lui en offrir à mon tour maintenant, parce que j'ai cette belle opportunité que m'offre Anna Luisa de m'offrir des bijoux de temps en temps, qui me permet aujourd'hui d'en faire bénéficier mes proches, puisque je vais accueillir ma maman dans cette vidéo, mais j'ai reçu 4 bijoux cette fois-ci et je vais tout simplement les distribuer à ma maman et à ma petite sœur qui ne sera pas présente parce qu'elle ne pouvait pas l'être aujourd'hui. Mais ça n'empêche que ma maman est au courant de la surprise, mais elle ne sait absolument pas à quoi les bijoux vont ressembler, donc j'ai hâte de découvrir sa tête et de savoir quel bijou elle choisira, parce qu'elle aura le privilège de pouvoir les choisir parmi les 4 que je vais pouvoir lui présenter aujourd'hui. Je vous les laisse découvrir en close-up, ils sont vraiment magnifiques, majestueux, et c'est vraiment le genre de bijoux que j'aime beaucoup porter, si ce n'est que moi je porte plutôt du doré et elle de l'argenté. Mais si je devais porter des bijoux argentés, c'est clairement vers ce genre de pièces que je me tournerai, et il y en a même que j'ai de toute manière déjà un doré, donc c'est vraiment des bijoux que j'apprécie énormément. J'espère vraiment que ça va plaire à ma maman, mais je pense que j'ai aucun souci à me faire de ce côté là parce que je me souviens quand j'étais petite, elle portait déjà des bijoux avec chacune de sa tenue. Je crois que j'ai jamais vu ma mère sortir sans bijoux. Au-delà de ça, elle a toujours porté des bijoux discrets, élégants, et je pense que c'est aussi l'ADN et l'empreinte d'Anna Luisa qui vont beaucoup lui plaire. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. C'est gênant toute seule, dès que ça change. Ma maman est là, je vais pouvoir maintenant vous la présenter. Ta-da ! Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Merci. De rien. Obligé d'être très formelle. Hein. Juste sois toi-même. Hein. Okay. Ah ouais, c'est difficile. Ouais, je sais. Déjà, tout introduit et tout, j'ai déjà fait le début de la vidéo pour parler des bijoux, etc., de la marque et tout. Du coup, je vais te les montrer. Tu vas pouvoir les choisir. Les 4 bijoux qu'Anna Luisa m'a envoyé, ils se présentent dans des petits pochons comme ça. Donc il y en a 2 pour toi, 2 pour Estelle. Ok. Je pense que dans l'idée, les 4 vont te plaire. D'accord. Tu pourras faire ton choix. Et je pense que de toute façon, ceux que tu choisiras pas, ils plairont aussi à Estelle et vice versa. Parce que je pense qu'ils vont tous, enfin aussi bien à l'une qu'à l'autre. Ah, tiens, non, je les ouvre, allez. C'est plus marrant. Ok, donc je la montre. Comment? Bah, tu peux. Magnifique.
T'aimes bien? Ah, j'adore. C'est les gouttes, c'est hyper élégant et tout, j'adore. Et moi, j'ai les mêmes en doré, du coup. Et ça, c'est plus ceux que j'utilise plus pour des occasions par rapport à ceux que je porte, tu sais, au quotidien. Très bon. Mais je les aime trop. Tu peux les laisser sortir si tu veux. De toute façon, tu vas les essayer. D'accord. Comme ça, tu pourras peut-être faire ton choix aussi en fonction de ça. D'accord. Oh, comme des détails. Celle-ci. Ouais, je les adore, celles-ci. Avec les gouttes perles de culture, là. Ouais, j'adore. C'est très trop joli, hein. Elles sont vraiment jolies. Les boucles d'oreilles, je les porte au quotidien. Et il y en a, ça fait 2 ans que je les ai. Elles ont absolument pas toujours aussi brillantes. Ça brille toujours autant et ça s'abîme pas, ça s'oxyde pas, rien du tout. Donc ça fait un peu la parure, du coup, avec la goutte. Ouais, c'est beau. Mais ouais, je les aime trop. Belle. Et du coup, c'est parfait aussi pour les fêtes, ce genre de bijoux. T'as pas mis de bijoux parce que c'était en prévision de la vidéo, mais je disais, d'aussi loin que je me souvienne, je t'ai jamais vu sortir sans bijoux. Non, alors, c'est t'as vrai. Toujours, tu t'es toujours habillée de façon classe, élégante et tout, mais sobre. Et par contre, t'as toujours eu des bijoux discrets, élégants et tout, mais toujours sur toi des bijoux. Limite, je te voyais plus sortir sans maquillage que sans bijoux, quoi. Ouais, je t'ai toujours vu porter des bijoux. Oh, mais ça c'est aussi, c'est joli. C'est beau, hein. Mais tout est beau. Ben oui. Ça te plaît? Ouais. T'as une préférence déjà ou pas? Alors... Tu sais pas? Non, je tu sais, sais pas choisir? Non. Bon, après, t'avais le privilège de pouvoir choisir vu qu'il n'y a pas Estelle. Parce que comme ça, elle aura ce qui te plaisait le moins. Je sais pas, je sais pas. Je vais les essayer, je vais voir. Ouais. Après, c'est moi qui ai choisi, donc je savais très bien j'ai des bons goûts. Toi? Là, ça filmait pas, là. Si, si, ça filme. Ah. Ça va être trop long, ce film. Moi, je suis pas à l'aise. Hein. Mais t'inquiète. Je vois que t'es... D'un coup, comme ça, t'es devenue moins bavarde. Eh oui. C'est marrant. C'est sûr. Cette année, j'ai été élue ambassadrice Anna Luisa. C'est un privilège que j'ai en plus. Du coup, ils m'envoient davantage de produits et on travaille plus ensemble. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir en faire bénéficier mes proches. Quoi. C'est trop cool. C'est génial. Et en plus, ils sont hyper géniaux parce que je t'avais dit que je leur avais demandé parmi ma sélection de choisir ces pièces-là en particulier pour vous deux. Et qu'au final, ils ont accepté. Donc, c'était trop chouette. Même ce que tu prends pas, tu veux bien essayer quand même? Ah bah oui. Donc je vous laisse découvrir ma maman qui s'est portée volontaire du coup pour faire le mannequin et qui a pu essayer tous les bijoux. Je trouve que ça lui va super bien, elle est trop trop belle, ça lui va bien au teint. Et tous les bijoux brillent de mille feux, c'était vraiment magnifique, j'étais trop contente de pouvoir lui faire plaisir. Et même après la vidéo, elle m'a dit au combien elle était ravie de ses cadeaux et que ça lui plaisait beaucoup, qu'elle trouvait les bijoux magnifiques. Et je pense que vous pourrez être d'accord avec moi, mais je trouve qu'en plus, avec ses beaux yeux bleus, les bijoux tout brillants comme ça qui captaient la lumière, ça la mettait vraiment parfaitement en valeur. En tout cas, j'étais juste ravie de pouvoir lui faire plaisir et de célébrer Noël un petit peu en avance. Et je suis aussi contente qu'elle soit prêtée au jeu et qu'elle m'ait fait confiance pour cette vidéo. J'espère que les images lui plairont autant qu'à moi, mais je la trouve juste sublime. Et ça va trop trop bien en plus avec sa belle chemise en gaze de coton. Bref, je suis pas très objective quand il s'agit de ma maman. Bon? Ah oui, t'as toujours tes boucles d'oreilles et ton collier. Ok, donc t'as fait ton choix ou pas pour tes bijoux? T'as fait ton choix. J'ai fait mon choix. Donc, je crois que le collier, tu préfères le laisser à Estelle. Exactement. Et en termes de boucles d'oreilles, il restait les petites gouttelettes là qui vont justement avec le collier. Ouais. Que tu vas choisir, je Exactement. Pense. Exactement. Ok, très bien. Et je vais aller laisser à Estelle une parure dépareillée. Oui, bah c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ça ira parfaitement avec. Et on laisse celle-ci pour Estelle aussi. Très jolie. Très jolie. Et on s'est dit que ma sœur avait déjà un type de boucle d'oreille comme celle que tu portes actuellement, là, avec soit double créole, soit des boucles d'oreilles un peu plus originales, même si ça reste quand même très élégant et très fin, très discret. Mais d'après ce qu'on sait, Estelle, elle aurait pas de bijoux avec des petites perles comme ça, style perles de culture. Et ça, nous deux, on en a. Et ça, c'est le genre de truc. Quand j'étais petite, je pensais que c'était un peu le genre de truc pour grand-mère. Et en fait, au fur et à mesure, et en grandissant, je me suis dit, mais en fait, non, c'est juste des pièces intemporelles. Et c'est le genre de truc qui sera totalement indémodable, quoi. C'est vrai. Ça se portait il y a 50 ans, ça se portera encore dans 50 ans. Enfin, voilà. Très classe. Et du coup, je pense que ça lui ira parfaitement, qu'elle souhaite le porter, que ce soit au quotidien ou même pour des occasions spéciales. Je suis désolée parce que j'ai pas pu vous filmer la réaction de ma sœur. Mais à n'en pas douter, elle sera quand même très très contente. De toute façon, je comptais lui offrir à un moment donné des bijoux à Anna Luisa, à Estelle et puis même à toi. Parce que j'arrête pas de vous en parler. Et à chaque fois que vous me voyez avec mes bijoux, vous savez que ça vient de là-bas. Et j'ai eu la chance de les avoir en cadeau et de pouvoir vous les offrir. Voilà. Il y a beaucoup de chance. Oui. Et nous aussi. Oui, attendez. Je suis contente que ça te plaise, ça te va trop bien, ça brille là, c'est trop joli. Ouais. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'adore. Joyeux Noël du coup.
Oui. En avance. Mais on t'aura d'autres cadeaux quand même pour Noël. Ah, je t'avais dit, je fais des trucs un peu maison, mais voilà. Merci beaucoup. De rien. Je voulais vous remercier aussi de me suivre et de me permettre d'avoir ce genre d'opportunité, puisque sans vous, sans votre fidélité, Anna-Louisa ne m'aurait certainement peut-être jamais contactée, je ne sais pas. Et je la remercie bien évidemment eux aussi de m'avoir fait ambassadrice cette année. Ça me fait juste hyper plaisir et ça me permet maintenant aussi de gâter, de faire plaisir à mes proches, et je trouve que c'est hyper important parce que, en toute honnêteté, je pense que j'ai relativement assez de bijoux. Ça me fait plaisir de pouvoir en offrir aussi à mes proches et de pouvoir les gâter. Personnellement, ayant un petit budget, j'aurais pas forcément pu leur offrir 2 bijoux à chacune, à ma soeur et à ma maman, donc je suis juste hyper reconnaissante et très émue en cette période de fête de fin d'année de pouvoir tout simplement faire bénéficier un petit peu des avantages que j'ai en tant que créatrice de contenu aux gens que j'aime. Donc voilà. merci du fond du cœur à vous qui regardez cette vidéo et également à Anna-Louisa de me faire confiance, de me suivre et d'être là pour moi tout simplement. Voilà. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à profiter des promotions sur le site Anna-Louisa à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est l'opportunité parfaite pour vous faire plaisir ou offrir un cadeau avec une vraie valeur sentimentale ou un cadeau significatif à l'un ou plusieurs de vos proches. N'hésitez pas à checker mon lien en barre d'infos pour vous rendre sur le site et tomber directement sur les promotions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.